Eh bien salut les amis, c'est Kirbendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Hey Pikmin sur Nintendo 3DS. On part directement au niveau 1E, parce que là-bas normalement ça va être un boss. Souci dans les taillis, alors je sais pas combien de Pikmin on va avoir, je sais pas comment va se passer le combat de boss. Parce que les combats de boss dans Pikmin sont souvent très originaux, mais là en 2D, je sais pas trop ce qu'ils vont nous trouver, donc on va voir ça. Il y a un trésor à trouver, mais à mon avis ce trésor va nous rapporter beaucoup. Donc on n'a pas de Pikmin par contre là. On commence sans Pikmin. Là déjà ça sent avec la musique que ça va être terrible. Ne me dites pas qu'on va quand même devoir battre le boss sans aucun Pikmin. Ah c'est bon, ils arrivent. Mais là ils ont l'air d'avoir sacrément peur les Pikmin hein. Ça va pas pardonner là. Oh bah attendez, mais il est classique lui. Mais c'est un ennemi classique. Ah mais ouais d'accord, ok. Ah mais c'est un ennemi grave classique lui, il est dans Pikmin depuis le premier. Par contre ça me dit pas quand même comment on va faire pour le battre hein, mais... Ok, venez ici. Attendez. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on l'a eu dans les yeux? Je comprends pas. Il m'a mangé un Pikmin. Ok. Je comprends pas. Parce qu'une fois que je l'ai eu dans les yeux... Parce que ce serait bien, j'arrive à l'avoir dans les yeux, mais après... Après, on peut passer ou pas? Ah, je comprends. Voilà, c'est comme ça. Ok, d'accord. Bon, j'ai perdu un Pikmin bêtement. Je dois le dire. Je dois bien l'avouer. Mais j'avais pas compris au début. Ok. Non, non, non. Ah oui, il a essayé de me manger des Pikmin encore. Oula, qu'est-ce qu'il fait là? Ok, il va ressortir là où... Non, 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 sauvez-vous, sauvez-vous, sauvez-vous. Sauvez-vous. Ouais, ok, d'accord. Le voilà. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Bon, les amis, souhaitez-moi bonne chance. Hein. Non, je crois que ça doit pas être si difficile que ça. C'est juste que... Ok. C'est juste qu'au début, j'avais pas bien compris, mais... Non, ça n'a pas l'air si difficile que ça, ce combat de boss. Ouais, au prochain coup, c'est bon, je vais l'avoir. Venez ici les Pikmin, faut que vous veniez au plus vite parce que là il va essayer de vous manger. Ah non c'est bon. Là il va essayer de sortir d'un coup. Il nous court après, mince. Et il va sortir là, mince. Il nous a bloqué là. Ah ouais là on est dans un état assez... Ouais on est dans un mauvais état là, faut se... J'ai pas su comment faire pour le battre. Enfin l'éviter sans me... Ah c'est bon, on n'est pas obligé de l'avoir dans l'œil en fait, d'accord. Ok bah c'est bon. On a déjà battu le premier boss, ok, c'était pas si compliqué. Ah bah, ok. Puis en plus, il nous donne carrément... il donne carrément une médaille. Non mais attendez, il était trop facile ce combat de boss, c'est pas possible là. Bon, ok, si vous voulez, si vous voulez. C'était que le premier d'un autre côté, donc... Les premiers combats de boss, généralement, ils ne les font pas trop compliqués quand même, parce que... déjà, faut comprendre. Bon, je pense que si je le refais, là, le combat de boss, j'arriverai à l'avoir sans perdre aucun Pikmin. Mais je vais pas le faire, ça, je le ferai en dehors des vidéos, je vais pas vous... Je vais pas faire le 100% avec vous comme ça, parce que ce serait un petit peu bête, quand même. Ok, on gagne 1000 lumium d'un coup, ça, c'est cool. On a 4200. Et donc, on a ramené encore des Pikmin. Ouais, il y a du nouveau dans le parc. Donc, allons voir au parc. Ce qui s'y passe. Ah mais ils ont retiré une brindille, d'accord. Ah non, ils ont trouvé un truc, regardez. Sur la map, ça se voit, ils ont enfin trouvé un truc depuis le temps. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Ouais. Les Pikmin ont trouvé quelque chose. Eh ben, je sais qu'ils ont trouvé un truc, et alors? Ah, plein de lumium, d'accord. Capitaine, les Pikmin ont trouvé une réserve de graines de lumium. Au total, cela fait 30 lumium. Nous devrions inspecter les zones sur les côtés, je parie que nous pouvons y trouver du lumium. Envoyons donc les Pikmin les nettoyer. Sérieusement? Sérieusement? Vous avez trouvé une réserve de 30 lumium? C'est nul. C'est complètement nul ça. Bon ok, pas grave. On peut envoyer les gars à l'électricité ailleurs. Ok, on peut les envoyer là-bas. Parce qu'il y a de l'électricité. Non, non, les Pikmin rouges, on les envoie pas là. On envoie là. Ok, d'accord. Donc nous, on va aller voir ce qu'ils font les jaunes, ok. Ils y arrivent, tranquille, à briser l'électricité. Ensuite, les rouges, ils détruisent ça. Ah, mais là aussi, il y a des petites brindilles en haut, donc... Ok. En tout cas, c'est cool d'envoyer nos Pikmin dans des zones différentes, comme ça, faire des tâches différentes. C'est un vrai travail d'équipe. Je détecte une source abondante de lumium dans un secteur proche. Cela, ça a l'air très humide dans le coin. J'espère que vous avez pris votre maillot de bain, capitaine. Eh bien oui, j'ai mon maillot de bain, ne vous en faites pas. Enfin, je ne sais pas. Je crois qu'il n'avait pas prévu quand même de partir comme ça avec Olimar, mais bon. Donc, un secteur 2, estuaire luxuriant. Un estuaire, c'est un endroit où il y a de l'eau. Je sais pas exactement, mais voilà, il y a de l'eau là-bas. Et voilà, on va rencontrer enfin les Pikmin bleus. Yes! Ah, c'est cool, ça. Ça me fait plaisir. La gombubule. Les Pikmin bleus, ils peuvent aller dans l'eau. Olimar aussi peut aller dans l'eau. Ouais, c'est juste que les autres Pikmin peuvent pas. Par contre, ils se noient pas immédiatement, mais ils se noient rapidement, par contre.
Oh là là, encore des niveaux super beaux. Enfin, non, j'adore ce Pikmin. C'est super beau les graphismes. Ah, Olimar, il coule pas au fond de l'eau. Ah, ok, on peut le diriger complètement dans l'eau, d'accord, ok. Parce que c'était pas le cas dans les autres Pikmin. Dans les autres Pikmin, Olimar, il allait directement tout au fond de l'eau. Hein. Par contre, il y a des méchants pas gentils. Ah, en plus, ils nous visent, ces méchants. Hein. Une fois qu'ils nous voient, ils nous attaquent hein, directement. Ah, les voilà. Les Pikmin, enfin. Venez à moi, venez à moi. Je vais vous protéger. Ah, ils sont cachés et le méchant, il les voit plus. Pas très malin, hein. Pas très malin, le petit méchant, là. Hein? Mais comment ça se fait que les Pikmin, ils nous fassent confiance? Comment c'est possible, ça? Enfin, je vais pas m'en plaindre, hein, mais c'est quand même assez bizarre, hein. En présence d'eau, rien de mieux que les Pikmin bleus. Les autres Pikmin craignent l'eau, mais les Pikmin bleus, ils sont dans leur élément. Nous devrions toujours en avoir quelques-uns de prêts pour les explorations en zone aquatique. Et on peut les jeter dans l'eau? Ouais, je peux les jeter, même si je suis... Et ça, on peut le tuer ou pas, ce truc-là? Parce que là, il y avait un truc là-dedans, hein. Est-ce qu'il peut sortir? Ah oui, et donc maintenant, on peut le tuer ou pas? Ah, mais ça demande quand même beaucoup de Pikmin de le tuer, donc on va pas le faire. À mon avis, ça va me donner pas beaucoup de lumium pour beaucoup de dangers, donc... les Pikmin, un petit peu plus vite, par contre, parce que sinon, vous allez vous faire tuer. Ok, ouais, venez ici. Ouais, non, ça va demander beaucoup trop de Pikmin pour pas grand-chose, hein, j'en suis sûr. Ah bah, fallait aller en haut, d'accord. Donc on va aller en haut. Sur haut, il y avait du lumium rouge. Ah ouais, il nous voit quand même. Ah mince, il y a un Pikmin qui est bloqué, là. Viens ici. Ok, il a failli se faire manger. Il était à pas grand-chose de se faire manger. Heureusement que je l'ai sauvé, parce que... Non, mais il était pas très malin, ce Pikmin là, hein. Ça peut pas se détruire, d'accord. Ah, j'adore les niveaux aquatiques, ça rajoute un gameplay totalement différent, c'est vachement cool. C'est super cool. Oui, j'ai vu, mais il y avait aussi un ennemi, hein, donc faut s'occuper de l'ennemi en passant, hein. Ah non, non, il y a un ennemi là. Bah, il est plus là l'ennemi? Ok, bah s'il est toujours là, mais Ok, les Pikmin, ils ont pas eu peur, ils ont sauté dans l'eau là où il y avait un méchant. Tranquille, pas de problème, pépère. Allez, récupérer un peu de lumium. Très bien. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un trésor en bas. Là, il y en a en haut ou pas? Non, il n'y en a pas. Ok. Alors, lui, on va s'en occuper. Ah mince. Il y a un méchant. Lui, on peut le tuer, je pense, maintenant. Enfin, quoi qu'on en a que 8 des Pikmin, donc. Ouais, non, c'est pas assez, hein, c'est pas assez. Ouais, on n'y arrivera pas. Il a trop de vie, ce truc. Même avec 20 Pikmin, ça me paraît compliqué, en fait. C'est possible, mais ça me paraît vraiment compliqué, même avec 20 Pikmin. Hein. Donc, sifflet géant, super, sans lumium, c'est nul. J'aurais bien voulu en avoir un peu plus. Est-ce que j'ai le temps de monter? Ouais, j'ai le temps. Ça va être serré, mais j'ai le temps. Ok, ah oui, c'était serré, hein. J'ai failli les perdre, mes Pikmin, là, pour le coup. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils se sèchent quand ils sortent de l'eau. D'accord, trop mignon. Oh là là, non, 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 on monte. Ouais, je sais pas à quelle hauteur il peut monter, mais il peut pas sortir de l'eau. Ah, mais là, on peut pas les avoir. Ah, mais là, moi, je peux y aller tout seul. Allez, j'ai pas besoin des Pikmin pour faire ça. Très bien. Et là, on va récupérer du dentifrice. Comment ils vont l'appeler, ce truc? Un cirage à fusée. Je sais pas depuis quand on appelle les dents des fusées, mais si vous voulez. Allez, on descend. Puis là, on passe directement sur le côté, parce que là, il me faisait peur, là, Le méchant, il me faisait peur. Allez. On n'arrivera jamais à tuer un ennemi comme ça. C'est impossible. Le truc est beaucoup trop... Il possède beaucoup, beaucoup trop de vie, hein. Allez, venez ici. Ah, une belle réserve à lumium. On a déjà récupéré plus de 100 lumium. C'est cool. Ouais. Je lui envoie des Pikmin comme ça, au cas où, je me dis, mais... Non. Donc je suis sûr que même avec 20 Pikmin, c'est pas possible. En tout cas, c'est plus facile dans l'eau. Contrairement à plein de jeux, où généralement, les niveaux sous-marins sont plus difficiles que les niveaux ordinaires. Là, j'ai l'impression que ces niveaux sont plus simples, en fait. Ah, il n'y a pas de Pikmin dans le rocher, j'aurais cru. Là, j'ai l'impression que c'est plus simple, en fait.
C'est plus simple de balancer les Pikmin, c'est plus simple de tout faire en fait. Ok, ah, ça à mon avis faut pas le toucher. Hein. On est ici. Ça, ça m'a l'air très méchant. Hein. Maintenant, ça peut descendre plus bas, c'est ça? Ah, d'accord, il peut descendre plus bas en fonction de ce que je détruis. Donc ouais, ça m'a l'air assez méchant. À mon avis, ça tue les Pikmin en un coup, ce truc. Enfin, comme tout, hein. Tout tue les Pikmin en un coup. Allez. Ok, très bien. On a tout détruit, là, il n'y a rien. Bon, bah là, on va directement passer à la zone suivante. J'aurais peut-être dû montrer la carte. Parce que la carte, elle montre s'il y a des trucs cachés, en fait. Bon, c'est pas grave. Allez. Oh, oh, oh. Et ici? Il n'y a rien? Ok, bon, alors on monte. Oh là là, d'accord, ok, je comprends. Je comprends pourquoi il y avait des trucs rouges là. On va peut-être pas tout récupérer. Ouais, si on peut. On peut se permettre de tout récupérer. Ah bah non, j'en ai loupé un. C'est pas grave, du moment que j'ai les rouges. Très bien. Bon, c'était un petit faux coup de pression en fait, parce que c'était pas si difficile que ça en soi. Hein. Le truc, il allait ultra lentement. Donc c'était pour faire peur, mais en fait, c'était vraiment plus de peur que de mal, quoi. Allez, venez ici. C'est bon, j'ai mes 20 Pikmin. Donc maintenant, faut plus que je les perde. Ce serait bien, quand même. Ah, il y en a encore un qui s'est bloqué. Ah, mes Pikmin, ils ont du mal, quand même. Hein. Allez. Oh là 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 là, tout le Lumium. Non, mais attendez, j'ai déjà 207 Lumium. Et sans compter les Lumium que j'ai par les objets. Hein. Ok, c'est bon, ils m'ont suivi. Juste les Lumium que j'ai, comme ça, dans le niveau. Ok, on descend. Plus vite. Là, faut pas vous bloquer. Attendez. Voilà, il a failli m'attaquer, c'est bon. Le voilà ressorti. Bon, on monte parce que là, il y a une... Mais attendez, ça tombe bien, maintenant, on a une... on a une brosse à dents. Enfin, une brosse à dents électrique, en plus. Ok, et donc, la brosse à dents électrique, c'est une brosse enragée, d'accord, si vous voulez. Mince. Non, non, demi-tour, demi-tour, parce que le truc, il va sortir, là. Là, on peut descendre, on a du répit. On n'a pas beaucoup de répit, quand même. Hein. On en a, mais faut pas... Faut pas s'attendre à ce que ça dure plusieurs minutes, quoi. On a juste, genre, 5 secondes, quoi. Pour l'instant, j'ai rien perdu, ce serait bien que ça continue. Et voilà, on arrive à la fin du niveau. Et je n'ai perdu aucun Pikmin, et j'ai récupéré tous les trésors. Donc c'est une réussite pour le premier niveau de ce monde. C'est quand même plutôt une réussite, ça, il faut le dire. Je m'y attendais pas, mais... Ouf! Et comme ça, on va pouvoir emmener des... Enfin, on va pouvoir envoyer des Pikmin au parc. Donc pour s'occuper des zones sous l'eau, parce qu'à mon avis, il va y avoir des trucs là-bas. Mais ils ont pas peur, les Pikmin, qu'il y ait des méchants dans le parc. Parce que les Pikmin, on a quand même vu que les Pikmin, ils sont pas capables de faire quoi que ce soit sans nous. Enfin, de se défendre sans nous. Donc les pauvres... Ok, déjà combien? Donc là, on a 700, 923. Ouais, bon. C'est pas énorme. Hein. Si on a que 1000 par niveau, ça va être difficile quand même, mais bon. C'est pas grave. 5200 et quelques... donc les Pikmin bleus sont arrivés au parc, je sais comment ça marche, merci d'essayer de m'expliquer. À chaque fois ils veulent me rappeler les trucs alors que je sais très bien comment ça fonctionne. Et là, c'est bon? Vous allez dans l'eau? Comment ils font là? Et là voilà, ils plongent dans l'eau et ils essayent de détruire ces petits trucs là. Ah ouais, d'accord, bon tranquille. Non mais ils sont trop mignons les petits Pikmin. Ils sont trop mignons à faire leurs petites tâches en plus de manière très... Enfin tu vois qu'ils essayent vraiment à fond quoi de nous aider. En même temps sans nous ils seraient morts alors hein. De cascade en cascade. Bon bah les amis c'est parti. Je sais pas à quoi ça sert les amiibo dans ce jeu. Moi je peux pas lire les amiibo avec cette 3DS. Mais je me demande ce que les amiibo font dans le jeu. C'est une question que je me pose. Si vous en savez plus bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment mais j'en ai aucune idée. Ah on va descendre en cascade c'est ça? Ah non, non on descend pas en cascade mais ok. Très bien. Bon on va commencer par aller à gauche. Voilà j'étais sûr qu'il y avait des trucs à gauche. Et puis on commence déjà par récupérer 20 Lumium. Donc c'est pas mal, ça commence très bien. Des Pikmin bleus. Bonjour. Ah non, non, faites attention. Oulala. Ah, ce truc-là, faut l'attaquer avant qu'il se mette en boule à pic, en fait. D'accord. Va falloir faire attention. Hein. Parce que ça me paraît bien dangereux. Ok. Ah bah, ça se tue en un coup, par contre. Donc ça, c'est cool. Ah, il y a plein d'endroits comme ça où je pense qu'on pourra pas vraiment faire demi-tour, en fait, donc il va falloir faire attention. Ah, il y a rien par là-bas.
Non, très bien. Ok, alors là, on va rester ici et essayer, ok, d'avoir un max de lumium. 35, c'est pas mal. Attendez, les Pikmin, restez là! Ok, mes Pikmin ont été emportés complètement. Ok, c'est bon, je les ai pas perdus. Par contre, il y a un truc que j'ai pas réussi à récupérer. Bon, c'est pas grave. On va y voir ce qu'il y a là-bas. Des Pikmin? Ah, un objet. Faut pas que je tombe là. Faut que je me mette bien et que je ne tombe pas. Parce que là, le truc, je pense qu'il m'aurait tué. Je sais pas si. Quand on se fait toucher une fois, après on est invincible pour passer en dessous des ennemis. Un cerceau d'apaisement. Ouais, c'est une bague, quoi. C'est pour apaiser ta femme quand elle est fâchée, c'est ça? On dirait bien. Ok, allez. Bon, je pensais qu'il y avait un passage en haut, mais finalement non. Bon, continuons notre route tranquillement, mais sûrement. Ouh là là! Il y a un méchant qui arrive là! Ah non, il y a des Pikmin qui se font! C'est trop mignon, toutes les petites cinématiques qu'ils ont avec les Pikmin là. Là, il n'avait pas caché dans le truc. Bon, non. Ok. Alors là, moi, je pense que le meilleur moyen là, c'est ça. Voilà, ok, d'accord. Comme ça, on le tue avant qu'il ait pu nous voir et qu'il ait pu se mettre en boule. Ah, maintenant, il nous a vus, lui. Ok, par contre, il va à 2 à l'heure, hein. Il est vraiment lent, hein, le petit truc, hein. Ok. J'espère qu'il réapparaisse pas à l'infini, parce que c'est le cas, moi je vais galérer, mais. Non, ok, c'est bon. Ok, encore des Pikmin. Venez ici, les petits. Ils ont toujours 4 par 4. Donc là, on est déjà à 12. Il y a un passage par là? Non. Non. J'aurais cru, mais non. Ensuite. Là, il y a un méchant. Donc, le méchant, il va être emporté. Donc non, faut se dépêcher. Les Pikmin, vous vous dépêchez, là. C'est pas le moment de s'arrêter. On s'en moque des trucs rouges, là. Ah là, mais le jeu, il rame beaucoup, quand même. C'est chaud, hein. Il va se noyer, non? Ouais, il se noie. Il me donne des trucs quand il s'est noyé? Non, même pas. Le truc, il peut se mettre en boule même dans l'eau. D'accord. Et après, il roule tout droit ou quoi? Non, il s'arrête. D'accord. Très bien. Par contre, au niveau de la map, là. Ok, d'accord. Je pense que c'est par là. J'avais du mal à bien voir, mais c'est bon. Ah oui, ils peuvent tomber, d'accord, ok. Je m'attendais pas trop à ça. Là, quand est-ce que. Ok, on peut le tuer. Très bien. Comme ils réapparaissent pas, les ennemis. Ah, mais si, ils réapparaissent. Non! Ok. Je l'ai eu à temps. Ouf! Et ben voilà, c'est comme ça qu'on a le truc qui était derrière. Ok, je comprenais pas bien. Mais en plus, on a des Pikmin! Yes! Donc, plus qu'un seul foyer de Pikmin et c'est bon. On a tous les Pikmin qu'il nous faut. Voilà, on va en avoir beaucoup encore des Lumium. Oh là là. On en a eu 110. Et les niveaux dans l'eau, là, je sais pas pourquoi, mais ils nous donnent plein, plein de lumium. Hein. Très bien. Là, il n'y a rien de caché, nulle part. Ça me paraît bizarre, quand même. Ah, il y a une porte. C'est peut-être la suite, hein, donc... on va plutôt essayer d'avancer. Qu'est-ce qu'on a par là-bas? Ouais, on va monter. Ah non, ça m'avait l'air d'être un secret, en fait. Je sais pas, je sais pas. C'est toujours la question, est-ce que c'est un secret ou est-ce que c'est la suite du niveau? C'est très bizarre ça. Parce que là-haut, ça, moi je peux pas y aller, si. Ce serait en sortant de cette porte. Ouais, non, allez. On y va. Et on va aller à la porte qui était en bas. La porte qui était en bas me dit bien. Non, non, non. Mince, ok, j'ai tué un Pikmin bêtement. J'ai été trop rapide en fait, j'avais même pas besoin de le tuer. Ça servait à rien de le tuer. J'ai essayé malgré tout et j'aurais pas dû. Surtout dans le niveau aquatique, c'est facile de perdre aucun Pikmin. Hein. J'ai vraiment pas fait gaffe quoi. Dommage. Allez. Allez, les Pikmin qui vont se bloquer, c'est sûr. Viens ici toi. Ok. Encore? Non, quand même pas. Là, il y a une poule. Oh là 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 là. La poule, c'est ce que j'aime vraiment pas. C'est bon, oublie-moi, fais demi-tour. Ok, elle a fait demi-tour. Mais on n'arrive pas à accrocher des Pikmin sur cette poule. Venez ici! Ok, j'ai eu peur qu'il se fasse avoir là, quand même. Ok, c'est bon, ouf! Et j'ai perdu personne. Ah bah! Ok.
le secret. Donc une raquette sans cordage, mais c'est pas vraiment une raquette sans cordage, mais si vous voulez, c'est plutôt un ouvre, enfin un décapsuleur. J'ai bien fait d'aller ici, donc c'était bien une zone alternative. Malheureusement, j'ai perdu un Pikmin sur la route. C'est dommage. Bon allez, on en monte, on s'en moque de... Je vais pas essayer de me venger de l'ennemi, hein, c'est pas grave. Hein. Il m'a eu, c'est de bonne guerre. Moi, de toute façon, je tue tous ses copains, alors à un moment, voilà, c'est à son tour. Ils sont là, les Pikmin? Ouais, j'en ai perdu des Pikmin, là, non? Ouais, y'en a qui ont pas réussi à me suivre, vous êtes sérieux? Il s'est bloqué où, l'autre? Non, mais... Attendez, mais... Oh, ici, sérieusement? Non, mais viens ici. Non, mais... Les Pikmin, ils sont vraiment pas malins, là, par contre, hein, parce que réussir à se bloquer là-dedans... les niveaux auraient dû être faits pour pas que ça arrive, ça. On va attendre un petit peu. Mais ils sèchent à chaque fois, donc ils prennent 3 ans à sortir de... Voilà, ok. À sortir de l'eau. C'est incroyablement long. Mmh. Ok. On va voir ce qu'il y a là-bas. On peut faire demi-tour ou pas? Ouais, on peut. Parce que là, ça sent le secret. Eh ben oui, c'était obligé. Ça sentait le secret, là. Il en faut combien de Pikmin? Bah, assez. J'en avais 3 de trop. Apportez-moi ce téléphone, là. Un vieux téléphone à clapet. Comment ils appellent ça? Un perturbateur boulot dodo. Ouais, d'accord. Ok. Si je vais trop vite, les Pikmin ils vont se perdre. Encore une fois. Oh! Ok. J'ai bien réagi parce que là je pense qu'il m'aurait fait très mal cela. Enfin, il m'aura encore pris des Pikmin. Donc ça fait mal quoi. Ça fait mal ça. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très bizarre ce truc. Oh! Ça lui fait peur, mais c'est que des Pikmin, hein, faut pas avoir peur. Enfin, heureusement qu'il a eu peur ce pain de mie parce que je l'aimais pas. Ah, il se sauve, hein. Il a fait que de se sauver. Ok, très bien. J'ai failli perdre un Pikmin au moment où il allait faire demi-tour. Ok, bon, dommage. J'aurais perdu un Pikmin sur la route. Je finirai avec 19 Pikmin. Là, va falloir avancer très vite. Ouais, on s'occupe pas de ces trucs-là. On avance, c'est tout. Ça, j'aime pas ces trucs-là, ils me font peur. Et là, il arrive ou pas, l'autre? Bah il arrive pas finalement. Bon bah ok, j'aurais pu m'en occuper, tant pis, c'est pas grave. Mmh. Du petit Lumium. On n'aura pas eu autant que dans le niveau d'avant, mais on aura eu quand même quelques-uns. Oh. Il a failli manger mon Pikmin là. Enfin mes Pikmin. Ah non non non. Il va en manger un là. Il a failli manger un Pikmin sur la route. Heureusement il n'y est pas arrivé, mais il a failli. Et ça me donne des Lumium, normalement 2, non? Ah là, quand il se noie, il me donne rien. En fait, il me donne des trucs que quand c'est moi qui arrive à les tuer. C'est bizarre, on est dans le niveau B, là, non? Et on n'a pas eu de niveau secret. Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas trouvé la sortie, hein, mais... Parce que à mon avis, il y a un niveau secret dans tous les mondes. Mais après, peut-être que le monde secret n'est pas toujours dans le niveau B, hein. C'est... On ne sait pas, pour le moment, c'était dans la zone B, dans le monde 1. Mais après, peut-être que dans le monde 2, sera dans la zone C, dans la zone D, on ne sait pas, on verra bien. Et alors, là on va pouvoir emmener encore plein de petits Pikmin dans le parc. J'espère qu'il y a du nouveau dans le parc aussi, parce que ça c'est un petit peu lent parfois. Hein. Ils en mettent du temps les Pikmin. Ils travaillent beaucoup aussi. Hein. On les esclavagise un petit peu. Hein. 3000, 7000. Ok, c'est bien. On passe directement à 6000. Ok. Il y a du nouveau dans le parc. Bah ok. Allons jeter un coup d'œil au parc. Qu'est-ce qui s'est passé dans le parc? Ah, c'est les bleus ou les jaunes qui ont fait un truc? Ah bah non, déjà les bleus les rejoignent, ça c'est très bien. Mm-hmm. Et il y a du nouveau dans la zone des rouges en fait. Alors, les Pikmin ont trouvé quelque chose, je sais, ils vont trouver encore 30 Lumium, c'est ça? Eh bah oui, puis encore moins là, il y en a encore moins. Ils ont trouvé 10 Lumium, waouh! C'est pas comme si c'était un truc que je trouvais dans un niveau en 2 minutes quoi. Bon, on a bientôt nettoyé toute cette zone par contre, ça c'est cool. Et là-bas ils en sont où? Ils ont un peu de mal les jaunes, hein. Ils ont beaucoup de mal même. Mais bon, ok, c'est pas grave. Bon bah écoutez les amis, on va revenir à la map, voir quel va être le prochain niveau. Oh, capitaine, nous avons atteint 6000 Lumium, votre dur labeur commence à payer. Et ce n'est pas tout, la jauge d'énergie de votre combinaison comporte désormais 4 barres. Super, ça m'a jamais servi mais bon. Ainsi votre protection sera encore mieux assurée. Par ailleurs, à 10000 Lumium, je pourrai activer une fonction qui facilitera vos explorations. D'accord. Et moi, ce que je préférais, quand même, c'est avoir un truc qui fait que... qui donne des tenues, par exemple, à Pikmin, qui fasse que les Pikmin, maintenant, ils ont 2 vies au lieu d'1. Ça serait quand même mieux que rajouter des vies à Olimar. Et alors, après, on va aller...
quoi ? Flore survoltée, d'accord. Puis on a une zone bonus. Nous avons de nouvelles entrées sur le journal. Bah attendez, moi je pense que je vais faire la zone bonus maintenant. On a encore un peu de temps, ça fait que 25 minutes de vidéo, donc on va faire la zone bonus. La zone secrète 6, là. Et puis après, on en restera là. Donc voyons voir. Ah, je comprends, en fait. Ok, j'ai compris tout à fait. Venez ici. Là, maintenant, on reste ici. Quoi ? Non ? Ah oui, non, c'est vrai qu'il faut les Pikmin. Combien il en faut ? Là, j'en ai pas assez. Ben non, c'est bon, en fait. Ah mince, non, c'est pas bon, en fait. Ok, 2, 3, 4. On va en avoir assez ou pas ? Ouais, je pense. On va voir ça. Attendez. C'est bon, on en a assez, d'accord. Parce que là, on voit rien, en fait. La jauge, elle est cachée. Donc, on sait pas combien il en faut. Oh mince ! Mon dieu, ils sont morts, les deux autres, en bas. Les pauvres Pikmin, ils sont morts. Ils vont mourir, là, parce que quand les autres vont se retirer, bah, bam, ils vont se faire écraser. Bon, bah, désolé pour eux, hein. Désolé. J'avais pas prévu ça, mais bon, ils ont joué un petit peu les téméraires. Mais comment ils ont fait pour tomber dans le truc de décor, quoi ? Je crois que c'était pas prévu, hein. Nintendo n'avait pas dû prévoir que ça arrive. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, ils vont y aller direct, les Pikmin, ou pas ? Faut que j'aille les mettre. Ils y vont direct, là, à leur secteur, ou pas ? Je ne sais pas. On va voir ça, juste dans quelques instants. Les 8 nouveaux Pikmin bleus. Peut-être qu'en plus ils vont découvrir de nouvelles choses là. Qu'est-ce qui se passe à le jeu ? Ah non, je croyais que le jeu avait planté. Et non d'accord, ils vont pas automatiquement. Donc faut quand même que je charge le parc pour le savoir. Super ! Bon, c'est cool tout ça. Ok. Bon, eh bien les amis, on va en rester là pour cette vidéo de Hep Pikmin, c'est le 3e épisode. On a quand même bien avancé, donc bah écoutez les amis, n'hésitez pas à laisser plein de pouces bleus avant de partir, à commenter, à vous abonner pour être au courant de la suite, et on se retrouve très bientôt. Donc d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine les amis. Salut !